Vous écoutez RTL. RTL. Des sites d'échange, de location, de troc, sur Internet, ils s'en créent chaque mois. Jusqu'à 22h. La curiosité est un vilain défaut. Je te loue ma voiture, on se revend des billets de train, on s'échange des vêtements. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Et ce n'est pas tout, il y a aussi le barbecue, le téléphone, l'appareil à raclette, une affaire très rentable. Allez, fini l'époque du tout est à vendre, maintenant tout est à louer entre particuliers. C'est le nouveau phénomène qui secoue notre société, ça a déjà même un nom, c'est la consommation collaborative. Bonsoir Julien Marival. Bonsoir. Bonsoir. Vous consacrez un dossier passionnant à cette mode, ce phénomène, dans le Parisien Magazine à paraître demain. Alors c'est quoi les objets finalement que les Français louent le plus ? Alors déjà, il y a des objets qui se louent tout au long de l'année. C'est un peu les incontournables de la e-location. Le site Place de la Loc donne par exemple ce top 5 des objets les plus loués. Vous allez voir qu'on tout peut se louer sur Internet. Là, en premier, on a la voiture. Ensuite, on a le vélo. Ensuite, on a la perceuse. En quatrième, on a place de parking. Et en cinquième, on a les déguisements. Et beaucoup de transports. Ça part dans tous les sens. Donc, il y a des locations comme ça qui marchent toute l'année. Il y a aussi des locations plus de saison, plus saisonnières.